Et toi? Non, tu m'entends toujours pas dans le casque? Tu m'entends bien, Fabien? Oui, moi je t'entends bien, et toi? Là, ça Ah y ben est, parfait là, c'est tu m'entends? parfait, ouais. Ok, alors je vais régler la balance là, parce que ton son est un peu fort. Alors, sur Ah le chat d'accord. écrit, si vous pouvez me confirmer que c'est ok au niveau du son et de l'image. L'image, a priori, ça bouge pas. Le son de Alexandre, notamment. Et on va pouvoir commencer donc cette présentation du concours XTB, concours mondial, avec une Porsche et 70 lots à gagner qui se tiendra au mois d'octobre. Donc Alexandre Torrent, qui est senior sales chez XTB France, va nous présenter tout ça. Parfait, donc là tout le monde m'entend bien. J'ai deux confirmations, oui, Trader X7 me confirme que oui, Alex aussi. Si je peux avoir encore quelques confirmations, s'il vous plaît, on va pouvoir commencer. C'est ok, me disait Alex, ok. Donc voilà. Bien écoute, Alexandre, je vais te laisser prendre la parole et nous présenter donc le concours. Parfait, bon bah merci Fabien. Donc effectivement, on va proposer un concours de trading qui va se dérouler à partir du 5 octobre prochain jusqu'au 31 octobre, donc durant le mois d'octobre. C'est un concours qui va être ouvert en fait au niveau européen, puisqu'en fait on a communiqué dessus au niveau de toutes nos branches, ou presque toutes nos branches européennes. Donc il devrait y avoir pas mal de monde, hein. Ça va pas être uniquement des Français qui vont participer à ce concours. Donc ce concours, vous avez déjà la possibilité de vous entraîner. Donc ça, tout à l'heure, peut-être qu'on pourra montrer le site internet pour que les gens puissent bien se connecter sur le site. Ouais, Bien là on sûr, pourrait partager l'écran, non? Alexandre. Bien sûr, tu peux activer le partage d'écran, tu sais le faire sur Skype, pas de problème. Alors attends, du coup, je le fais directement en faisant. Attends. T'as la petite croix en bas, et donc ensuite il y a partage d'écran sur la fenêtre Skype. Alors, attends. Ah tiens, en même temps, je vais vous mettre sur le chat écrit le lien vers la page de présentation de l'événement. 2 secondes. Alors, bah, comme le précise Alexandre, un événement assez majeur, on sent que vous avez mis un certain investissement et une énergie importante à faire un bel événement en cette rentrée. Bah déjà 70 lots dont la Porsche a gagné, c'est pas rien. D'ailleurs, donc la Porsche avec le plus gros lot, je suppose, ça va être quoi Effectivement, ouais. les 70 lots suivants Donc les pour la 70 Porsche? lots suivants, donc effectivement, donc 70 lots, c'est pas mal. Donc c'est pour ça qu'il y aura la possibilité quand même de gagner un lot. C'est pas juste un lot. Donc le premier prix, ce sera la Porsche Cayman. Donc ce sera celui qui fera le meilleur rendement, donc entre le 5 octobre et le 31 octobre. Et puis après, alors, il y aura aussi des lots quotidiens. Donc chaque jour, il y aura trois prix à gagner pour les trois premiers, quoi, les personnes qui feront les trois meilleurs rendements. Donc pour le premier rendement, ce sera un Samsung Galaxy S5, donc un téléphone. Pour le deuxième, ce sera la tablette Tab S de toujours de Galaxy. Et la troisième place, ce sera la montre connectée de Galaxy, toujours Samsung Galaxy. Donc ça fait 70 prix. Et puis aussi à la fin, il y aura quand même un prix pour le gagnant national. Donc le meilleur français, voilà, pourra recevoir aussi donc le Galaxy S5 16 Go. Donc là aussi, ce sera un téléphone sur lequel, bah, bien sûr, vous pourrez vous connecter pour pouvoir trader. Puisqu'au niveau des plateformes de trading, donc chez XTB, on propose plusieurs plateformes de trading, mais le concours, il va être réservé à la plateforme XStation, donc la plateforme en ligne. Donc c'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir vous connecter, et aussi aux plateformes mobiles. Donc on aura XMobile, donc pour les téléphones, et XTab pour les tablettes, donc Android et iPhone. Parfait. Donc là, on est sur le site. Donc ça, c'est sur le site sur lequel on va pouvoir s'inscrire. Donc il faudra, ça fait partie des conditions du concours, hein. Si vous êtes amené à gagner, il faudra que vous ayez mis des coordonnées qui soient valides. Donc ça, c'est important de prendre ça en compte. Donc bien sûr, il faudra bien penser à votre pseudo pour bien le reconnaître. Le pseudo, ça va être important parce que vous verrez que par la suite, on pourra retrouver facilement dans le classement, en fait, en temps réel, vos performances. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir vous montrer par la suite. Donc, comme on l'a dit, c'est à partir du 5 octobre, mais vous pouvez dès à présent vous inscrire en fait pour rentrer dans une période d'entraînement où vous allez être sur les mêmes conditions. Donc, les conditions du concours, c'est qu'au départ, on aura 10 000 euros, 10 000 euros sur la plateforme. On sera sur un effet pour le forex, un effet de levier 100. Donc ça, c'est important. Du coup, sur les indices, on sera sur un effet de levier donc 66 et 33 sur les commodities, donc sur les matières premières. Donc on a une offre réduite, hein, pour le concours au niveau des produits sur lesquels on peut trader. Donc ça sera environ donc 15 paires de devises, 10 indices, 6 matières premières et aussi 5 actions.
Mais bon, au niveau des actions, pour faire les plus grosses performances, ce sera surtout, je pense, sur la partie indices, devises et matières premières. Ok, très bien. Alors, une petite précision d'ores et déjà, j'ai mis le lien sur le chat écrit vers la page d'inscription, également de Parfait, présentation ouais. du concours, donc vous pouvez vous y rendre. Un petit truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, donc chaque jour, il y aura des remises de prix. Le concours, ça va être quoi? Est-ce que ça va être un concours global sur le mois entier ou c'est au jour le jour? Et finalement, la Porsche, par exemple, ça va être quoi? Le meilleur du mois entier qui va la Exactement, remporter? exactement. C'est celui qui fera la meilleure performance. Donc tu pars de 10 000, 10 000 euros. Celui qui à la fin aura le plus gros solde net, c'est celui qui va remporter la Porsche en fait. Ok, mais tu dis au jour le jour, il y a aussi... Et au jour le jour, oui, c'est les performances quotidiennes. Les performances, ceux qui auront les meilleurs taux de rendement donc chaque jour, donc entre minuit 1 et minuit, là par contre il y aura trois prix. Donc ça Ok. c'est intéressant également parce que du Ouais, coup bien sur sûr. une journée, ça peut permettre d'avoir des belles performances également. Et ce sera jugé sur les performances exprimées en termes de pourcentage ou en termes de capital? En termes de pourcentage, ouais. En termes de pourcentage. Donc sur le site internet du concours, donc tu vois, tu as le classement. Alors faut pas prendre en compte les performances quotidiennes, parce que là c'est surtout des comptes tests pour les performances quotidiennes. Par contre pour le classement général, ça fonctionne très bien. Donc vous voyez que vous aurez le classement. Donc c'est international et là vous avez par pays. Donc ça peut être pas mal. Donc du coup on peut regarder du côté de la France. Donc du côté de la France, le premier pour l'instant, voilà, c'est Forexpierre, donc il a fait 115%. Et donc du coup, ce qui sera bien, par exemple, je me remets sur l'international, vous allez vous inscrire, vous allez avoir donc un pseudo, un pseudonyme. Donc par exemple, si je tape Forexpierre, donc je fais vérifier, et là ça va me le retrouver. Donc ça me dit que par exemple sur la période d'entraînement actuellement, Forexpierre, il est 18e sur toutes les personnes qui se sont inscrites. D'accord. Donc ça c'est plutôt bien. Alors c'est pas du temps réel, mais c'est sous 5 minutes, voilà, ça se recharge régulièrement. Donc pour pouvoir contrôler où est-ce que vous en êtes dans le classement, c'est très bien. Mais surtout si vous commencez à avoir des très bonnes performances, comme ça vous pouvez vraiment vous jauger et vous dire est-ce que je fais une pause ou pas, voilà, si vous êtes dans la compétition entre quelques traders pour pouvoir voilà, bah, peut-être gagner la Porsche ou d'autres choses, ça sera intéressant. Ah, bien sûr, puisque on précise que tout ça se fait à partir de comptes virtuels. Donc on est vraiment Exactement. dans l'esprit compétition et un esprit beaucoup plus ludique que ce qu'on va faire au jour le jour dans le cadre du trading. Complètement, Euh, complètement. donc bah, il faut en prendre en compte ce que font les autres, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des performances aussi élevées, bah, puisque forcément, voilà, il faut Voilà. Donc carburer, il faut certainement prendre que le du... gagnant, il va faire au niveau du taux de rendement, ça va être plusieurs milliers de pourcents. Ouais. C'est ce qu'on a pu remarquer sur les anciens concours qu'on a organisés. Ok. Donc, bah ouais. En gros, si on peut donner un petit conseil, c'est pas hésiter à prendre du risque, puisque de toute façon, on est quand même là dans un concours basé sur des comptes virtuels, donc plutôt ludique. Exactement. Donc, il Donc c'est faut ça quand la même. stratégie. Hein. Si c'est juste pour passer des petites opérations, c'est très bien. Par contre, pour faire de la performance, ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas hésiter sur ce type de concours à s'exposer, chose qu'on ne ferait pas sur un compte réel. Voilà, ouais, tu fais bien de le préciser. Ouais. Très bien. Alors, je te laisse reprendre la présentation. Non, mais du coup, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a déjà des questions sur le chat? Ok, alors, bah, si vous avez des questions d'ores et déjà, n'hésitez pas à les indiquer. Favoriti qui demande, les comptes seront remis à 10 000 euros en début du concours, au début du concours? Exactement, exactement. Donc le concours il va commencer le 5 octobre à 23 h et il se terminera le 31 octobre à 17 h. Donc du coup, dès le début du concours, si vous êtes inscrit pour la période de test, d'entraînement, vous avez commencé à trader sur votre compte, que vous ayez gagné ou perdu, ça sera remis à 10 000 euros. Ouais. Ok. Et par contre, chaque sort, ce sera pas remis. Non, 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 bien sûr, non, non. C'est sur le mois complet. Une fois que le concours est lancé, voilà, on ne touche plus au compte. Ok, très bien. Alors, ceci qui demande si le DAX fait partie des actifs tradables. Oui, bien sûr. Mais du coup, ce que je peux faire, regarde, je vais me connecter sur. Là, j'ai une plateforme. Oui. Donc ça, c'est une plateforme aussi d'entraînement du concours. Donc du coup, je vais me montrer. Tu vois, donc j'ai dit qu'il y avait 15 paires de devises. Donc là, on a nos paires de devises majeures, émergentes. Bon, bien sûr, si vous souhaitez trader sur l'euro-dollar, on proposera l'euro-dollar, il n'y a pas de problème. Alors au niveau des indices, on en est à 10 et bien sûr, il y aura le DAX. Donc par exemple sur ce compte, tu vois, j'ai tradé dessus, c'était donc le compte il était à 10 000, tu vois, là je l'ai monté à 21 000 et effectivement je suis exposé à 100%, tu Ouais. vois. Tu vois, et c'est sûr que le DAX, c'est un très bon actif pour trader sur ce type de concours. Le DAX, il est très volatile, donc il y a du mouvement, c'est ce que l'on recherche sur ce type de concours. Si on est bien exposé, ça peut faire des belles performances. Bon là je suis en perte, mais tu vois sur mon canal, j'espère que là on va bien rebondir pour revenir sur des plus bas. Si ça se confirme, ça fera une belle position. Ok, très bien.
Et au niveau, oui, il y a aussi les matières premières. Donc on a 6 matières premières. Donc là aussi, il y a des matières premières qui peuvent être plus volatiles que d'autres. L'or, bon, c'est comme si on tradait le forex. Mais il peut y avoir aussi sur les matières premières agricoles, parfois il y a des très forts mouvements. Donc là aussi, ça peut être l'occasion de faire des belles positions. Et au niveau des actions, là par contre, on n'en propose que 5. Donc Apple, Citi, Microsoft, Facebook et Exxon. Alors les actions, c'est intéressant aussi de trader dessus, mais c'est pas là où il y aura le plus de mouvements. Ok. Voilà. Alors par rapport à la plateforme, donc c'est cette plateforme que vous allez utiliser pendant le concours. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme en ligne XStation qui vous permet de trader les CFD mais également les options binaires. Donc sur la partie CFD, c'est vraiment une plateforme très complète. Si vous faites la moindre modification sur votre graphique, si vous vous connectez sur un autre ordinateur, vous aurez la même configuration. Donc ça, c'est intéressant. Je peux mettre plusieurs graphiques à la fois. Je peux me faire plusieurs espaces de travail. Donc c'est vraiment pour suivre plusieurs marchés, c'est une plateforme très complète. Vous pouvez fermer vos ordres en un clic, vous pouvez trader depuis le graphique. Vous pouvez mettre déjà vos stops et votre take profit, si vous souhaitez scalper, c'est idéal. Après vous avez d'autres fonctionnalités, vous avez le calendrier macroéconomique qui est directement sur la plateforme. Vous avez des vidéos news, vous avez des news qui tombent, alors c'est en anglais, mais c'est intéressant. Vous avez le Trader Talk aussi, alors ça c'est comme en salle de marché, ça c'est un service, voilà, dès qu'il y a une annonce macroéconomique, une donnée importante sur le marché qui tombe, vous avez quelqu'un qui parle comme une radio, donc c'est ouais, en anglais. Squawk donc... Box, là, c'est... Exactement, c'est le Squawk Box, vous savez qu'il se passe quelque chose sur le marché, donc pour bien être au courant durant le concours, c'est idéal. Ok, donc ça c'est la plateforme propriétaire, ouais. XTU, parce que justement une autre question sur le chat écrit c'était par rapport à MT4, alors je crois que vous proposez aussi MT4 ou alors, vous on propose proposé, MT4 mais du pour le concours ouais, ce sera uniquement XStation. Voilà, ok, très bien. Donc d'autres questions, Soci qui demande, lui il trade avec un indicateur qui s'appelle le volume profile, est-ce qu'il y a cet indicateur sur votre plateforme ou pas? Alors le volume profile, il est, parce que du coup les indicateurs de volume, non, on va pas voir ça. Et ça lui montre quoi exactement? C'est la distribution, en gros. Est-ce que, également le market profile, donc c'est un indicateur qui va indiquer quel niveau a été plus distribué qu'un autre, etc. D'accord. Non, ça, du coup, ça, il n'aura pas ça sur la plateforme. Ouais. Ok. Mais donc voilà. Alors sur le chat écrit toujours. Alex qui s'inscrit. Dommage. Ok. Alors Alex qui s'inscrit. Les comptes à 10 000 euros, ok. On peut s'inscrire qu'une fois dans le mois au concours demande Trader X7, alors je suppose que oui, c'est aussi d'ailleurs pour oui, ça. Exactement, que ça fait partie des conditions également, donc on ne pouvait pas ouvrir plusieurs comptes. Ouais, bah c'est ce qui est assez logique, sinon ce serait n'importe quoi. C'est logique, ouais, c'est logique. Et même tout à l'heure, tu as insisté sur le fait qu'il faut rentrer ses vraies coordonnées. Effectivement, il faut absolument exactement. Éviter les doublons pour pas qu'il y ait. Exactement, exactement. Ouais. Ok. Le DAX semble être. Non, non, ça c'était un commentaire de marché. Bon, il y a Forextrem qui doit être chez XTB puisqu'il connaît quelqu'un apparemment. Il dit passe le bonjour à Dorian Alexandre. Ah d'accord, ouais, c'est un de mes collègues effectivement. Ouais. Voilà. Ok. Alors si vous avez d'autres questions sur le concours, n'hésitez pas à les indiquer. Sinon, bah, moi j'en ai quelques-unes. Alors notamment, bah, c'est pas la première fois que vous organisez ce type de concours chez XTB. Tu dis que tu as une certaine expérience ouais. Du coup de ce qu'on peut attendre comme résultat. Exactement. Donc tu dis en gros vraiment le meilleur, il va faire plusieurs milliers de pourcents sur un mois. Ouais. Mais après, là tu dis il y a quand même 70, et tu dis il y a quand même 70 lots au total, mais par exemple si on prend le top 10, en général ils sont tous au-delà de plusieurs milliers de pourcents. Normalement oui, surtout que là tu sais c'est ouvert, c'est européen le concours, donc il y aura certainement des gens qui ont l'habitude en plus de ce type de concours, donc les performances ça devrait être assez intéressante, ça devrait être plusieurs milliers de pourcents. Alors aussi sur le... Alors pardon, deux secondes, désolé de vous couper, j'ai quelqu'un qui sonne au bureau, donc je reviens dans une seconde. Oui, de retour. Oui, parfait. Donc du coup, aussi au niveau des sur le site internet donc du concours, ce qui peut être pas mal aussi, au niveau des statistiques, c'est que vous allez pouvoir voir aussi le sentiment de marché par rapport sur le concours. Donc par exemple au niveau de l'euro-dollar, si on est plutôt acheteur ou vendeur. Et aussi les produits les plus traités.
Alors par exemple, là tu vois dans le top des transactions, des top 5 des transactions globales, par exemple, il y a l'indice espagnol. C'est que les Espagnols, au niveau de la branche XTB, tu vois, ils se sont inscrits déjà il y a un peu plus d'une semaine. Donc c'est sûr que les Espagnols, ils tradent énormément l'indice espagnol qui est aussi très volatile. Mais vous verrez que pendant le concours, par exemple, les plus traités, on le voit directement. Au niveau des indices, le numéro 1, c'est le DAX. Ouais. Ok, donc tu disais ouais, notamment par rapport à la volatilité. Ouais, le DAX, c'est sûr qu'au niveau des indices, tu t'exposes, si tu t'exposes beaucoup, tu es sur un contrat à 25 euros le point, ça peut aller très vite. Ok. Alors, sur ceux qui disaient concours des mots, mais la Porsche est réelle, Ah effectivement. oui, la Porsche est bien réelle par contre. Ouais, d'ailleurs, c'est rare d'avoir des lots aussi importants pour un concours virtuel. Oui, sachant qu'on avait déjà fait un concours aussi, je sais pas si tu te souviens, c'était il y a 2 ans, là c'était au niveau européen, et là par contre on avait fait gagner un gros lot, puisque là on avait fait gagner 1 million d'euros. Ah ouais, sérieux? Ouais, on avait fait gagner 1 million d'euros, et la première année en France, on avait fait un concours au niveau français, là on avait fait gagner aussi une voiture de luxe, pour pas citer, c'était une Mercedes SLK, assez sympa aussi. Mais là du coup, bon là on est sur une Porsche, et peut-être par la suite il y aura d'autres concours. Ok, très bien. Du coup, on attend combien de participants? Vous, c'est quoi vos attentes? Ah ben là je pense qu'on va avoir plusieurs milliers de participants. Hein. Vu qu'on va communiquer sur plusieurs branches au niveau européen. Donc tu vois, ici on a la branche de Roumanie, Espagne, Hongrie, Allemagne, France, Portugal, Pologne, République tchèque, Slovaquie. Donc devrait y avoir plusieurs milliers de participants. Ok, donc il va falloir assurer, même s'il y a beaucoup de Exactement, lots mais à après ça gagner, peut aller très vite hein, bien sûr. sur le trading CFD au niveau des performances, ça peut aller très vite. Et c'est pour ça l'intérêt de pouvoir se suivre dans le classement. Il y en a certainement qui vont trouver des vocations pour pouvoir participer au concours. Ouais, bah moi en tout cas je suis inscrit et Ah bah oui. je suivrai ça avec intérêt, ouais. Alors, ça on avait vu, ou avait qui disait intéressant. Pardon, je débarque, mais le concours est en démo en réel. Non, c'est bien en démo C'est en réel. démo. Car plusieurs milliers de pourcents, ça fait doucement rire. Oui, bah c'est sûr, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on C'est a pas dit en tout à l'heure, rapport avec exactement. le réel. Là, on est dans un aspect plus Exactement. ludique. Voilà, ceux qui vont faire des milliers de pourcents, ça va être le top 10, le top 20, le top 30 sur des milliers Voilà. de Sachant participants. que ceux qui vont faire quand même plusieurs milliers de pourcents, alors effectivement, c'est très risqué ce qu'ils font, ils s'exposent beaucoup, mais ceux qui terminent à la fin, la personne qui va gagner, c'est certainement une personne qui a déjà quand même une certaine maîtrise de l'analyse, qui a un très bon sentiment de marché. Hein. C'est pas du casino. Ouais, donc tu penses que malgré le fait qu'on soit obligé de prendre Alors, de très oui. gros leviers, celui qui va s'imposer à la fin, d'après ton expérience, c'est souvent des gens qui ont quand même une Oui. bonne expérience de marché, qui font, Exactement. voilà. C'est ce que j'ai pu constater en fait sur les derniers concours et c'est des gens qui tradaient déjà depuis un certain temps. Hein. C'était pas la première fois qu'ils utilisaient une plateforme de trading. Ouais, ok. C'est vrai que c'est quand même sur un mois, donc c'est une période assez Exactement, ouais. significative. On ne peut pas, entre guillemets, avoir de la chance tous les jours si on joue Exactement. aussi long. Ok, ça on avait vu. Question. Ah oui, Fabrizi qui disait le DAX semble être bloqué à 15 lots maxi par position. Non, toi tu disais 25, c'est ça? Non, c'est 15 lots Ouais, 15 par lots. position, mais tu peux aussi, t'as assez de marge pour pouvoir ouvrir plus, tu peux ouvrir plusieurs lignes de 15 lots. Ah oui, donc c'est 15 lots C'est par maximum, mais on ligne. peut ouvrir plusieurs lignes. Exactement. Ok, voilà. Donc Alex qui demande au niveau de l'organisation quelles sont les sécurités, lui demandait si c'était vérifié. Ah oui, bien sûr, de toute façon, tout est il y a les conditions du concours qui sont déposées chez un huissier, donc c'est très vérifié, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Ok, bah c'est bon à savoir et à mettre en avant également. Oui, bien sûr, oui. Ça on avait vu. À niveau égal, celui qui va gagner sur fort levier sera chanceux, disait Réziel. Bah c'est un peu, voilà, c'est ce qu'on, enfin ce que précise Alexandre, c'est que de toute façon voilà, il va pas prendre des risques et donc il y a une part qui dépend pas de Oui, nous, mais il faut quand même une maîtrise de marché pour arriver dans les meilleurs. exactement. Ouais. Phil qui disait, comment être sûr que certains ne vont pas ouvrir plusieurs comptes via des astuces connues de tricheurs, disait Phil. Bah là on est toujours dans l'aspect sécurité. Mais de toute façon, étant donné qu'on demande les coordonnées valides, donc que ce soit au niveau du nom, du prénom, si à la fin, par exemple, une personne gagne, mais ses coordonnées ne sont pas vérifiables, ça ne pourra pas être accepté. Ok, très bien. Voilà. Alors s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les indiquer maintenant. Moi pour ma part j'ai déjà pas mal d'informations et j'ai bien compris l'ensemble du règlement. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais nous présenter, Alexandre, si tu as fait le Je pense tour qu'on a des fait, différents aspects. on
a fait le tour, mais du coup, bon, les personnes qui vont s'inscrire, du coup, si elles ont la moindre question par rapport à l'utilisation des outils, il ne faudra surtout pas hésiter à nous contacter. Sur notre site aussi, il y a des formations sur lesquelles vous pouvez vous inscrire gratuitement. Bon, sur le site du concours, au niveau de la plateforme, il y a une présentation quand même qui est complète de la plateforme. Donc vous allez pouvoir voir toutes les vidéos de présentation pour passer vos ordres, pour pouvoir les clôturer, pour personnaliser l'interface. Donc ça aussi, il ne faudra pas hésiter à regarder. Mais après, nous, bien sûr, on est là en soutien, en support, pour pouvoir vous aider à bien maîtriser l'outil. Ok, très bien. Réziel qui demandait, j'ai une question à propos de la Porsche. Est-ce que c'est une boîte PDK intérieur cuir? Alors, je ne sais pas ce que c'est une boîte PDK, mais intérieur cuir. Alors ça, j'ai pas les informations, mais certainement que ce sera un modèle toute option. Ah, on est tout option, ok. Ouais, c'est ce qui s'était passé sur les derniers concours qu'on avait eu. Lorsqu'il y avait des voitures, généralement, c'était tout option. Ok. Fikizé. Ok. Résultat est toujours si c'est la Cayman S ou la Cayman normale. Alors ça, je sais pas, mais il faudra pas hésiter à ce qu'ils nous appellent. Certainement que dès le début du concours, on aura un peu plus d'informations. Que je trouverai un collègue qui aura l'information à ce sujet. Ok. Voilà, donc effectivement, vous pouvez toujours joindre XTB. Toi, tu es dans les bureaux français, hein, c'est ça? Exactement, ouais, je suis à Paris, donc au 146 boulevard Haussmann. Vous pouvez même venir nous rencontrer, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Ok. Voilà, bah, s'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Et sinon, eh bien, on va laisser Alexandre qui est venu nous présenter le concours. Parfait. Et apporter des détails par rapport à tout cela. De toute façon, la moindre question, il ne faudra pas hésiter par la suite. Hein. Vous allez sur contact, commercial@xtb.fr si vous avez un email à envoyer. Si vous avez d'autres questions aussi par rapport, vous êtes inscrit, vous avez votre pseudo, vous mettez votre pseudo, votre email et votre message et puis on vous recontacte dans la foulée. Le bureau à Paris, on est ouvert tout le temps de 8h30 à 8h du soir, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer ou nous contacter durant cette plage horaire. Ok, très bien. Eh bien, ce sera tout. Je vous remets le lien vers la page d'information et d'inscription par rapport au concours. Fabomatique disait super concours, c'est bon, je suis inscrit, je vais gagner. Bon, on verra ça. Merci Alexandre pour toutes les informations. Parfait. Toi, tu disais tout à l'heure, tu as un compte ouvert. C'est quoi toi? C'est juste pour tester ou est-ce que toi, tu vas pouvoir participer également? Non, là, c'est juste pour tester. Et en fait, bah, tu vois, là, ce compte, en fait, je suis. Mon pseudo, là, c'est Forexpierre, en fait. Ouais. Donc, on va revenir dessus. Non, là, c'était juste pour tester, en fait. Au début, on a voulu vérifier que tout marchait bien. Donc là, actuellement, tu vois, je suis à 115% et en fait, ça correspond à peu près, voilà, en temps réel à ce que j'ai. Tu vois, j'étais parti de 10 000, là, j'ai 22 000. Ouais. Mais par contre, je n'ai pas le droit de participer au concours. Ouais, comme ainsi tu travailles chez XTB. Exactement. Ainsi que les membres de ma famille, ça ouais. Fait partie du règlement du concours. Ok. Bon, bah, merci Alexandre pour les explications. Bah merci Fabien. Voilà, bah ce sera tout. On va se retrouver prochainement du côté de Vidéobourse avec XTB, je pense, pour parler des actualités, etc. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de discuter de nouveau prochainement. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous et Fabien, je te remercie et je te dis à bientôt certainement. Ciao. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.